Salam alaykum. On est dans les halachot des de brachot de la tifa. Il nous dit le rab. Dans le Chazon on va dire, nous la viser de piyut, de Rosh Hashanah, ve Yom Kippourim, ve yammim tovim. Kodim yishtabach. » y stabach, cela qu'ils ils ont leur minag. Des fois dans le batek Knesset, ils ont un minag par Rosh Hashanah, Kippour ou Yom tov ou même Shabbat. Que juste avant yishtabach stabach, okay? Ils arrêtent et ils font des pioutim. Quand il y a le Shabbat quand par exemple il y le Mila, il faut savoir que ce n'est pas correct. Les Chachamim, ils ne sont pas d'accord avec cela. Tu veux rajouter des pioutim Rajoute des pioutim après. Kaddish Tit Kabbal Tu fais Kaddish Tit Kabbal. Et encore, Torah Tzibur Torah Tzibur, ça veut dire de, que le tibou tu, tu, tu fais attendre le Tzibur. Et les gens, maintenant, qu'est-ce qu'ils font Ils parlent au Beth Knesset. Et c'est grave de parler à la Beth Knesset. C'est une grave avéra de parler à Béthac Il faut savoir si c'est possible de mettre un gardien dans la tour Que quelqu'un qui parle, qui vient vers lui et qui lui fait maintenant un signe de tais-toi. Sinon, tu veux parler en dehors de Béthac par parle jusqu'à demain matin. Tu veux mettre un matelas, même un matelas, dors là-bas et parle tout ce que tu veux. Dans la Béthac C'est grave. Si on pouvait comprendre qu'est-ce que ça veut dire la gravité. De parler de la Kedusha de la Beta Knesset, on aurait tremblé. Rabbi Zatzal. Rabbi, non, c'était Rabbi Meir Abechatsera. Ken, Ado Quand lui, il rentrait à la Beta Knesset, pour arriver à sa place, ça lui prenait presque un quart de vingt minutes. Il faisait un pas et il s'arrêtait, il tremblait. Il faisait encore un pas, il s'arrêtait et il tremblait. Et les gens, Baruch HaShem, ils rentrent dans le Beth HaKnesset, on dirait que c'est un répertoire, ils m'en emmènent à manger. La, la, la dit, dit, là, la Chale dit, dans le dit, HaKhamim, c'est là qu'ils étudient la Torah toute la journée, ils mangent Bet Ils mangent Bet ça veut dire, c'est pas évident dans un pshat, il y a d'autres pchats. Un pshat, il dit, c'est pas évident qu'on leur donne l'autorisation de manger dans le Beth Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils n'ont pas le choix dans toute la journée, ils se trouvent dans la Béta Knesset et ils étudient là-bas. Maintenant, ils ne vont pas rentrer chez eux. Parce que le temps qu'ils vont rentrer chez eux pour revenir à la maison, pour revenir à la Béta Knesset pour étudier, ça va prendre du temps. Et là, c'est dommage pour le, le Limoud, pour la Torah. Alors, on leur donne l'autorisation de manger à la Béta Knesset. Sinon, ce n'est pas évident de manger dans la Béta Knesset. Plus forte raison de parler à la Béta Knesset. Ce n'est pas un tioule, ce n'est pas un réfertoire, ce n'est pas tout ce que vous voulez. C'est la gdoucha de Beth-Knesset. Chez morse grave. En haut, ils accusent. Ils disent, là, ah, regarde dans les, dans les églises, comment ils se comportent. Hein, il fait, tout le monde parle fait comme ça. Il paraît, euh, en Allemagne, tous les beth ils ont été brûlés, à part une Beth-Knesset. Une Beth-Knesset. Quelle beth que là-bas, ils témoignent que jamais ils parlaient dans Beth-Knesset il dit, alors maintenant on parle des piyoutim, piyoutim, on n'a pas le droit de rajouter, plus forte raison, nous les séfarades, les séparat, nous, la tefillah, elle est instituée selon la Kabbalah, selon le Harizal, pas selon Mahan sur Et c'est pour cela, on n'a pas le droit de rajouter, des fois, il répète des mots, il répète des mots. Dans Odu, dans Odu, il répète des mots. Non. Dit, que, et encore, en encore plus grave. Pourquoi? Parce que dans Houdou, les mots de odou, c'est maintenant tu rajoutes, c'est plus Neshama maintenant. Qu'est-ce que c'est? Il dit le Rav, il faut parler aux gens, leur dire comment c'est pas correct de rajouter des pioutim. qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire, il faut dire eh, cela d'une façon euh, tranquille, d'une façon calme, mais pas de crier, pas de faire. Ainsi aussi, ils ont fait beaucoup des acharonim des derniers des hachamim, de annuler le minhag, de rajouter des psaumes au milieu des, des psaumes normaux qu'on a juste avant Ishtabakh. Que d'après la Kabbalah, c'est grave. On ne peut pas s'imaginer. Chaque psaume, c'est un étape. Chaque, chaque psaume, c'est un étape. Et maintenant, même il même dit, on n'a pas le droit de jouer avec ces psaumes-là, maintenant. Et on est obligé de dire les psaumes. Ce n'est pas qu'on saute. On fait, des fois, on est en retard. Quand on est en retard, d'accord. Avant systématiquement, de faire ainsi, Baruch Ha'amar, Asher Yashvevetecha, Yish -tabakh".

Et qu'ils font la tfila normale. Il faut savoir, la tfila, c'est très important. C'est le but de la journée. Si le matin, tu pries comme il faut, toute ta journée, un grand pourcentage de la journée, c'est bon, elle est, elle est, elle est clean. Ah si tu pries comme ci, comme ça, alors c'est un problème. Mais, oh, tcha, allez, d'écart. Comme, comme, bah, il décira plus raison. Quand maintenant, tu te trouves dans une. Dans, dans la tfila, et puis ils rajoutent des psaumes, rajoute rajoutent des psaumes. Il y en a des gens qui sont fatigués. Il faut savoir le lien de Thor Artibourg, c'est grave, Mais de fatiguer l'assemblée, de leur faire attendre. Le bonhomme, lui, maintenant, il veut terminer la tfila. Le bonhomme, il rajoute encore, il rajoute, il rajoute, il, il croit que maintenant qu'on est chez Shirata Bakashot. Vous savez, qu'est-ce que c'est Shirata Bakashot C'est les, les chants des Bakashotken. On n'est pas dans la bête on est venu pour prier. Tu veux chanter C'est vrai. Les, les, les... Les psaumes, c'est magnifique, oui, mais les psaumes, les psaumes qui sont institués dans la tefila, il n'y a pas de rajouter, il n'y a pas de changer. Et les gens, ils peuvent que parler. Si la dfila, elle est longue, les gens, ils parlent. C'est très difficile de, de, de rester pendant 3 heures, Shabbat par exemple. Il y en a qui font 3 et demie de tefila. Et quand ils commencent, c'est presque qu'ils vont, ils vont emmener un violon. Quand je vous dis franchement. Juste dans une bête de heures 3h15, 3h30 de fila. Les gens, à la fin, ils sont, ils sont fatigués. Ils sont fatigués. 3h30 de fila. C'est le piyut que Hachaim, ils ont institué à Biuda. Il a institué pour, pour euh, juste avant pourrir. Okay. Et là, qu'est-ce qu'ils font Ils font juste avant Ishtabakh. Ça c'est pas mon de Zachor, on n'a pas le droit. le il faut le dire juste après Kadish tit Kabbal, le ne Il faut pas s'arrêter de dire avant nishmat kolchay, et Et c'est ça le minag de le dire juste après Kadish tit Kabbal. Baruch.